Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau week-end vlog. Donc nous sommes samedi, je suis très contente de vous retrouver. Nous sommes au petit-déj, nous sommes en train de prendre le petit-déjeuner, le pain grillé avec mon café comme d'habitude. Et voilà, ce que vous entendez, c'est Jata avec l'ordi. Attends, un tout petit peu. Voilà. Et donc le programme d'aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas trop encore, de toute façon, si jamais il y a quoi que ce soit dans la journée, je vous en parlerai. De toute façon, pour l'instant, il n'y a rien. Je vais un tout petit peu ranger, je vais préférer à manger. Oui, voilà, les trucs classiques. Et ce week-end, ils annoncent vraiment du beau temps, mais je pense genre du 16 degrés. C'est presque limite pour aller à la piscine. On y est presque. Ah, ne pas griller. Et donc c'est vraiment à profiter. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. Mais c'est vrai que voilà, ce beau temps, ça donne envie de faire quelque chose. On verra. Du coup, vous étiez quand même très content de voir une vidéo comme ça surprise sur ma chaîne jeudi. Donc c'était un vlog du mercredi, puisque nous ne travaillons pas le mercredi, enfin on est plutôt en repos. Nous avons un peu de temps et c'est vrai que voilà, on fait des choses. Des fois on a des rendez-vous médicaux, voilà, tout des trucs comme ça. Ou sinon, si on n'a pas de rendez-vous comme ça, on va tout simplement se promener. Et c'est vrai que voilà, j'ai jamais pensé de vous prendre avec le mercredi avec nous. Mais voilà, je pense le faire régulièrement, ça vous a plu. J'ai vu quand même que ça vous a plu, donc je suis très contente que j'ai eu un bon retour. Même si c'était pas non plus fabuleux, c'était seulement se promener dans la grande route piétonne, hein. C'était tout ce qu'on a fait le mercredi là. Et voilà, mercredi prochain, je pense que je vous emmène avec à Charleroi. Et comme ça, voilà, ça change encore une fois d'endroit et ça pourrait être cool à filmer tout ça. Voilà, donc, mais je ne le ferai peut-être pas tous les mercredis. Comme je vous ai dit, le mercredi, des fois, on le garde aussi pour faire nos rendez-vous médicaux et tout ça. Puisque comme on travaille pas, on place tous les rendez-vous sur le mercredi. Voilà, comme aller à Charleroi, hein, voilà, on l'a placé sur un mercredi. Voilà, donc je vais finir de manger mon petit-déj et je vous prends après. Donc je vous retrouve bien plus tard, il doit être bientôt 3h. Donc j'ai passé l'après-midi, donc début d'après-midi, jusqu'à maintenant à faire mon ménage. Donc voilà, je suis en train de ranger tout ce que j'ai soulevé pour laver par terre. Donc voilà, je suis en train de mettre tout en place, tout est sec. Et bientôt il y a papa qui vient aussi du travail. Donc on ne sait pas trop encore ce qu'on va faire l'après-midi, mais je suis contente que j'ai fait mon ménage, tout est fait. J'ai de nouveau mis mes habits dehors. Voilà, ah oui, hein. Il faut bien. Et j'ai remis une autre, mais celle-là, malheureusement, là, tout est pris. Je la mettrai comme d'habitude sur l'étendoir que j'ai ici à la maison. Et voilà, comme ça, tout est bon, tout est fait à la maison. Je suis tranquille pour ce week-end. Voilà, donc je vous laisse et je finis ce que j'ai à faire. Nous sommes au parc, voilà. Et on se mange un petit sandwich qui était donc en chemin. On s'est arrêté, on a pris un sandwich pour nous qui est super bon. Jada, elle a pris des pilons de poulet. Papa, il a pris une fricadelle et il a déjà mangé. Et ensuite, un sandwich au surimi. Voilà, voilà. Et ensuite, on part là-bas. Derrière, il y a le parc. Donc, Jada va s'amuser là-bas. Do you remember when we used to run away through the night? Forever young, 'cause we are together now.
maison, nous sommes rentrés car papa il a dû repartir travailler. On a été avec papa au parc comme vous avez pu voir. Et là maintenant du coup il est retourné travailler bien sûr. Hein, et ce week-end il travaille dans la restauration pour ceux qui viennent juste d'atterrir sur ma chaîne. Papa travaille dans la restauration et du coup travaille aussi le week-end, donc matin et soir, en coupure. Donc voilà, l'après-midi il a passé au parc avec nous et là maintenant bah, il retourne travailler pour faire le service du soir. Du coup bah nous on est rentrés. Je ne sais pas trop, je dois aller faire mon lit parce que j'ai changé les draps de mon lit. Il y a ça à faire et puis après c'est tout. Hein. C'est tout, on se relaxe sur le divan tranquillement. Et voilà. J'ai oublié de vous dire, j'ai encore vendu des trucs sur Vinted. Donc là en ce moment, là à l'instant je suis en train d'imprimer le petit truc qu'on colle sur le carton. J'ai vendu une veste à moi. Comme ceci, une veste perfecto, je sais pas, imperméable. Là, en léopard, donc il faut savoir que j'adorais le motif léopard. Je le mettais en t-shirt, en veste, en enfin pas en pantalon, mais j'adorais ce motif et je l'avais acheté au H&M et je le mets plus du tout. Ça fait un moment que je l'ai et je l'ai mis à vendre. J'ai regardé des trucs que j'avais dans mon armoire moi aussi. J'ai aussi vendu des sacs à main. Si ça vous intéresse, si j'ai sur mon compte Vinted, je vous mets le lien de mon profil Vinted en barre d'infos. J'ai aussi des sacs à main que je n'utilise plus du tout. Voilà, donc si jamais vous voulez vous faire plaisir et vous cherchez un sac à main enfin deuxième main, bah voilà, n'hésitez pas à aller voir sur mon profil. Il y a la feuille qui est tombée. Voilà, donc j'ai imprimé le truc. Il faut que je cherche un carton pour le mettre dedans. Je l'ai lavé en fait d'ailleurs. Il est près des trucs, mon étendoir. Je l'ai lavé et comme ça, lundi, je le posterai. Enfin, je l'envoie. Je le mets dans un carton et je l'envoie. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Je suis contente que ça marche bien. Je vous prends un peu plus tard, donc j'ai été vite fait chercher ce qu'il faut aller pour l'école. Donc Jada, elle avait besoin de encre pour son stylo plume, mais je lui ai entièrement acheté à nouveau. Donc je lui ai pris celui-ci cette fois-ci, donc c'est toujours le même que je lui avais pris à la rentrée. Elle l'avait en rose et là je l'ai pris en bleu, bleu foncé et bleu. Voilà, elle a choisi la couleur là cette fois-ci. Et elle me demandait ceci depuis un grand moment. Elle voulait vraiment beau, vraiment absolument. Et je l'ai trouvé au trafic. Là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, que voilà, on a été au trafic vite fait chercher tout ça. Et du coup, voilà, c'est en bleu. Il y avait trois coloris. Elle a choisi bleu. Ensuite, bah, je me suis pris un Red Bull. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des Kinder Country. Parce qu'ils étaient pas chers. Ils étaient à 2 euros. Je trouve ça vraiment pas cher pour cette... Il y en a 6 dedans. Et je lui ai pris une boîte de mouchoirs de... Comment? De LOL, du dessin animé. Non, c'est pas dessin animé, c'est des poupées LOL. Comme ceci pour mettre sur son bureau. Donc, ils avaient aussi un paquet mouchoir. Mais comme elle en a encore de Ladybug, elle en a encore. Donc, je lui ai pas pris... et voilà, donc c'était vraiment nécessaire parce qu'en fait elle avait un stylo plume, mais comme elle avait pas d'encre, je me rappelle bien qu'on avait encore des encres, mais je ne trouve plus des recharges en fait. Du coup, comme elle a aussi bâché son stylo plume et tout ça, il avait l'air vraiment dégueu. Je me suis dit, on achète complètement à nouveau. Et ça fait 2 jours en fait qu'elle galérait, qu'elle avait vraiment pas de qu'elle demandait à la madame si elle pouvait bien lui emprunter un stylo plume pour écrire. Et c'est là, comme ça, par hasard, quand j'étais en train de monter la vidéo un peu l'après-midi, que je me suis rappelée d'aller chercher un stylo plume, en fait. Bon, il est 6h30, je vais commencer à faire à manger, donc on mangera un peu plus tard ce soir, parce qu'on a mangé dans l'après-midi un sandwich, comme vous avez pu voir dans le vlog. Ouais, donc ça, je pense que vous connaissez ces stylos-là, donc c'est vous écrivez, c'est un bic, et puis vous avez la gomme au bout. Si tu te trompes, tu peux passer. Ouais. Et donc on va manger de la saucisse faite maison. Donc c'est un client qui m'a donné la saucisse, que c'est lui, enfin c'est lui-même qui l'a fait. Oui, c'était un boucher. Voilà. Et du coup chez lui il a un peu comme un atelier boucherie. Il a tous le matériau, hein, le matériel je veux dire,
pour créer de la saucisse, la mettre fourche, de la pâté compagne. Il fait vraiment plein de trucs comme ça. Et il m'a donné de la saucisse, je pense que c'est du Thuringer. Ce qu'il a fait, je suis pas vraiment sûre. Non, comme ça. On m'a donné ceci, donc on va manger ça avec une salade verte. Et je ne sais pas encore, je vais voir. Et voilà. Donc ce sera le menu pour ce soir. Donc je ne sais pas encore si je vous prends après dans la soirée ou pas. Donc voilà, nous sommes à table. Ça c'est le menu pour ce soir. Donc c'est la saucisse que je vous ai montrée tantôt. Donc celle que j'ai eue par mon client. Avec une salade verte et des petites crêpes farcies jambon au fromage. Ils sont super bons, je les prends à l'Aldi. Et Jada aussi. Voilà, bon appétit. Bonjour à tous, donc nous sommes dimanche et je crois bien d'avoir attrapé le rhume. Donc j'ai le nez qui pique, donc je le sens un peu lourd. Ça c'est vraiment, j'ai bien compris, c'est vraiment le début d'un rhume. Du coup là j'étais en train de monter un peu la vidéo, le vlog, mais... ce qui s'est passé donc là il n'y a pas longtemps, ce que vous avez vu il n'y a pas longtemps, donc c'était hier soir pour moi. Et voilà, là il est 10h30, je ne sais pas trop, le programme d'aujourd'hui, je ne sais pas, mais il fait super beau aujourd'hui. Il y a un grand soleil, je ne sais pas si vous voyez, il y a un grand soleil, mais il n'y a rien au programme. Peut-être on ira faire un tour dans le village avec le vélo, quoique le vélo il est dans la voiture à papa. Sinon, je ne sais pas, on ira au parc, on verra tout simplement. Et c'est tout. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai commandé sur Cheers. Je pense que vous l'avez tous vu sur Instagram. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas. Je vous mets le nom de mon Instagram ici. J'avais posté, j'avais ouvert en fait en Instagram story. Ceci, les petites magnettes que j'ai commandées, c'est la deuxième fois que je les commande. Ceci n'est pas un partenariat, je les ai commandées et achetées avec mes propres sous. Ils ne savent même pas que je suis youtubeuse et tout ça, donc il n'y avait même pas de code promo, j'ai payé ça comme ça, 12 euros avec les frais de port. Voilà, ils disaient normalement qu'ils devaient venir dans un point relais, mais je les ai eus dans ma boîte aux lettres. Bon, voilà, et vraiment la qualité... moi j'aime beaucoup, j'avais envie de changement parce que en fait je les ai ici sur mon congélateur. Les autres que j'avais, ça fait bien 2 ans maintenant hein, que je les ai commandés. Voilà, j'avais un peu la flemme, j'avais envie de d'autres photos, de voir autres magnettes sur mon frigo. Et voilà, c'est des photos qui nous ont marqué, des photos clés d'un moment, je ne sais pas, par exemple ici c'était Nouvel An. Je la trouve super belle cette photo, donc je l'ai voulu en magnette. Celle-ci était donc aussi une photo souvenir de Disneyland. Elle est tombée. Ça, c'était quoi, la fée, la danse. Donc ça, je l'ai voulu en souvenir. Nos vacances, donc à la piscine en Italie. Voilà, des trucs comme ça, des moments comme ça. Et voilà, donc c'était pour vous dire voilà que je suis très satisfaite de Cheers étant acheteuse et pas influenceuse ou voilà en ayant ça gratuitement. Non, je suis une acheteuse comme vous par exemple et je les ai payés avec mes sous et je suis quand même satisfaite. Voilà. tu dis bonjour? Hello. Ah, ça touffe de cheveux. On ira bientôt chez le coiffeur. Hein. D'ailleurs, moi aussi. On va aller couper un peu les pointes. Enfin, elle va couper un peu les pointes. Parce que quand je lui fais le brushing, elle a les cheveux au milieu du dos. Enfin, mi-dos. Là, on dirait qu'ils sont courtes. Parce qu'elle a vraiment les cheveux frisés. Bouclés, je veux dire. Mais quand on fait la douche, en fait, quand ils sont mouillés... Ils sont tout longs. Ils vont jusque là en bas, oui, en fait. Mais en fait, toi, tu fais la brosse et ça fait plus... Ça fait plus lent. Oui. Ouais. Donc elle a besoin d'aller couper un peu ses cheveux, enfin ses pointes. Mais c'est bouclé parce que ça remonte un peu quand c'est bouclé. Oui, c'est ça. Ouais. Et moi aussi, d'ailleurs, j'en peux plus. Ils sont super longs, mes cheveux. Et plutôt. Voilà, ils vont jusque ici en bas du dos, au nombril, on va dire. Et j'ai plus envie. Je vais les couper peut-être jusqu'à la clavicule ici. Ou peut-être un tout petit peu plus long. Jusque cette mèche-là, en fait, comme ça. Je vais les couper aussi court, donc je vais voir, prendre un rendez-vous bientôt. Où? J'ai le coiffeur. Pour moi et toi. Pas dit. Ouais. Bon, nous sommes à table. J'ai fait ceci, donc... Oula.
J'ai fait ceci, donc c'est des pâtes à la sauce tomate et j'ai mis du parmesan par-dessus. Voilà, Jada, elle a comme ça, elle a pas du, comment, de la sauce tomate, elle préfère comme ça, ses pâtes. Donc voilà, bon appétit! De rentrer, papa est reparti travailler, comme vous le savez, hein, papa travaille, papa travaille, tout simplement, et là on est rentré, il est bientôt, il est 5h, il est 5h05 d'ailleurs, je vais aller préparer maintenant tout ce qui est pour l'école, donc les habits, son sac. You see, stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks. Each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. On a passé la fin d'après-midi, on va dire, à jouer à ceci. On a fait du puzzle, on a joué aux cartes Uno. On a fait des trucs jeux de société, hein, tout simplement. Donc, on a joué ceci que j'ai jamais joué avec elle. Elle a reçu par Saint-Nicolas, je crois. Père Noël. Elle a reçu ceci par le Père Noël. Et donc, elle avait déjà commencé à jouer avec sa cousine à la maison. Mais voilà, avec moi, elle l'a jamais joué. Et c'est vraiment rigolo. Ça fait marrer les enfants et... ça fait marrer quand on marche sur la crotte, en fait, c'est ça le principe. Il faut pas marcher sur la crotte et ça fait rigoler les enfants quand on marche sur la crotte et tout ça. Donc, c'est quand même un jeu très, très, très marrant. Je vous le conseille, franchement, il est génial. Voilà, maintenant, là, il est 6h, je vais faire à manger. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je crois que je vais faire un petit bouillon, un cube de bouillon avec des petites pâtes, les vermicelles. Et c'est bon comme ça, je pense, pour ce soir. Pas de prise de tête hein, pour le manger. Et voilà, Jada, elle ira aussi à la douche parce qu'on a commencé à jouer. Donc, du coup, elle n'a pas été encore à la douche. Alors, nous avons terminé de manger. Jada, elle était à la douche, comme vous voyez. Elle a les cheveux encore mouillés. J'ai oublié de vous dire, en fait, on a été aussi hier, c'était hier, samedi. Oui, hier, on a été chez l'opticien. Avec Jada, parce que Jada, dans la semaine, elle a été chez l'oculiste. C'était quand? C'était jeudi, j'avais rendez-vous jeudi. Et du coup, j'ai eu l'ordonnance pour elle. Elle portera des lunettes. Et non. Du coup... non. Du coup, on a été chez l'opticien hier avec papa. On a été voir non, des... Si, c'était hier. Samedi? Oui. Et on a été voir une monture. J'ai flashé sur une monture super belle qui lui va super bien. Et du coup, lundi, donc aujourd'hui pour vous, on ira les commander parce que j'ai oublié mon ordonnance à la maison. Du coup, elle n'a pas pu les commander, faire les verres sur mesure et tout ça. Donc, je vous montrerai ça dans un prochain vlog, sachant que m'a dit qu'il fallait attendre 2-3 jours pour les avoir à peu près. Donc, ça va aller assez rapide. Donc, elle les aura assez rapidement.
Et voilà, donc ce sont des très très belles lunettes que on lui a pris. Et voilà. Rose. Donc une chose de faite. Ouais. Elles sont roses, oui. Oui, oui, oui. Bon, moi je vais donc vous laisser parce qu'il est déjà... Ouh, il est bientôt 8 heures. Ah oui, le temps passe tellement vite. Moi aussi, je vais du coup me laver. Hein. Demain, c'est donc l'école et pour moi, le travail. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. N'hésitez pas à commenter. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis donc à vendredi. À jeudi? Non, à jeudi. Jeudi, il y aura une nouvelle vidéo parce que je ferai un vlog le mercredi et je le posterai jeudi. Voilà, donc je vous donne rendez-vous jeudi pour une prochaine vidéo. Ciao!